Good morning, Alaïd et Neshus, aujourd'hui le Nishmat, Dov Ben Yudit et Viatar Amram Ben Chedvan, Sekuli Rufuat, Moshe Yuel Ben Rachel Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions au Masechat Shabbat, Perig Vav, Mishnah Gimel, Lototse, Isha, Bemachat, Anekuva, Velo Betabaat, Sheyesh, Alea, Chotam, Velo Bechuliar, Velo Bechovelet, Velo Bisuchit, Shel Paliaton. On continue à découvrir les différents bijoux, ornements, vêtements que l'on ne peut pas porter à Shabbat. On est donc dans la Mishnah Gemel, cette fois-ci une Mishnah qui va s'intéresser aux bijoux des femmes, et cette fois-ci où il y a un interdit minatora de sortir avec eux. Premièrement, l'otetse isha bemachat anekuva. Une femme ne pourra pas sortir avec une aiguille perforée, c'est-à-dire une aiguille où il y a un trou. À la différence de la Mishnah Aleph, on avait parlé d'une aiguille qui était fermée. Soit, en fait, c'est simple, il y en a un, c'est un objet décoratif, et l'autre, c'est un outil de couture. Tout simplement. S'il y a un trou dedans, donc c'est une aiguille pour coudre, et dans ce cas-là, c'est un objet. Si toutefois, elle sort avec une aiguille comme ça sur elle-même, eh bien, elle transgresse un interdit minatora. Parce que cette fois-ci, c'est pas une décoration. Et si c'est pas une décoration, alors dans ce cas-là, tu es en train de porter pendant Shabbat. Et même si, entre parenthèses, même si porter de manière générale, il faut porter de manière normale, habituelle, porter dans la main, comme on aura l'occasion de le découvrir plus tard. Mais pour les aiguilles, alors l'usage des chayatim, des couturiers, est de porter leurs aiguilles en les plantant sur eux-mêmes, donc c'est le derech, c'est l'habitude de les porter. Donc lorsqu'une femme elle va se mettre à porter une aiguille comme ça dans son vêtement, et bien comme ça, c'est un interdit minatora. Ensuite, velo betabat sheyesh alea chotam. À la différence de la Mishnah Aleph, on apprenait qu'elle avait le droit de sortir avec une... qu'il y avait un interdit des rabbanan uniquement de sortir avec une bague plate, une bague classique. Là, cette fois-ci, et là-bas, il n'y avait qu'un interdit des rabbanan de peur qu'elle va enlever sa bague, mais pas minatora parce que c'est un bijou. Cette fois-ci, on parle dans notre Mishnah d'une sorte de chevalière, un sceau, comme sceau royal. Les gens signaient à l'époque avec leur bague. Une bague, c'était essentiellement un outil pour signer. Donc une tabat, une bague qui assurait un sceau, quoi, pour signer. D'accord? Donc il y a en cela un interdit minatora de nouveau, puisque c'est plus un bijou. Vélo bechouliar. Alors, elle ne sortira pas non plus avec un chouliar. Chouliar, c'est un gros anneau qu'elle porte apparemment, qu'elle met sous sa tête pour, je ne sais pas exactement si c'est pour donner plus de volume. Klishaïcha, mais à Gelet Berosha, Kemin Tabaat, Chemesabev Arosh. Elle met sous son foulard, apparemment, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle faisait avec ça. Elle mettait un grand rond comme ça, et quelque chose de très original qui est écrit dans le Barthénora. C'est un interdit minatora de nouveau, pourquoi? Puisque le commun des femmes, non, puisque la majorité des femmes ne mettent pas cet objet-là dans le foulard, ils ne voient pas en cela quelque chose de beau, un intérêt, eh bien, on interdit minatora de sortir avec cela pendant le Shabbat. Comme ça, c'est écrit dans Barthénora. C'est assez étonnant en soi-même. C'est fréquent à Yerushalayim. Il y a toutes sortes de courants religieux entre les Sfaradim, Ashkenazim, il y a les Litaïm, il y a les Chassidim. Et il y a des fois certaines Chassidoutes où les femmes, elles mettent sous leur foulard. Elle met, une fois j'avais vu, j'étais jeune marié, ça m'avait choqué, il y avait un truc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle met en dessous, quoi, qu'elle met devant, comme ça, ça fait un foulard qui monte très haut, apparemment, quelque chose comme ça, mais on n'aura pas le droit de sortir avec dans le Jout Arabim, puisque le commun des femmes ne voit pas en cela un intérêt, ne voit pas quelque chose de joli. Peut-être de nouveau, ça est devenu à la mode, apparemment, les boubous, je ne sais pas comment ça s'appelle, les foulards où on met des trucs derrière qui montent. Si toutefois le commun des femmes ne voit pas en cela quelque chose de joli, eh bien dans ce cas-là, c'est pas c'est pas un tarchit. Même si, personnellement, pour elle, ça s'appelle un tarchit, on posera une question sur ça, mais dans quelques secondes. Et pour le moment, je continue la Mishnah. Velo bekovelet, velo betzalochit shel paliaton. Deux sortes de parfums, si on peut dire. Kovelet, le Barthénora nous dit que c'était en fait à l'accrocher autour de son cou. Elle mettait, il y avait une petite, comment dire, un petit étui, ou un étui en fer, en argent, ou en or même parfois. Qu'elle mettait sur elle et qui diffusait une bonne odeur. Elle mettait dedans du parfum et ça diffusait une bonne odeur.
Velo bitzlochit shel paliaton. Elle pourra pas non plus sortir avec un petit étui de paliaton de regarder le partenaire. Il nous dit musco, le musc, du musc. Et tout cela, vemiatzat chayevet ratat. Si elle a mis ces choses-là pendant Shabbat pour diffuser une bonne odeur, elle transgressera un interdit. Mina Torah, il y a un chiouf ratat, tandis que vachamim potrin. Rachamim dispense du chiouf ratat dans le kovelet et tzlochit shel paliaton, dans les deux derniers qu'on a dit qui sont des parfums. Pour comprendre un petit peu la discussion entre Rachamim et Rabbi Meir, Rachamim, on les comprend très bien pourquoi on ne transgresse pas un interdit minatora. Parce que finalement, c'est un bijou. Ça veut dire quoi, c'est un bijou? C'est quelque chose qu'on met sur soi parce que c'est quelque chose d'agréable, ça diffuse, ça orne, même si on ne le voit pas forcément, il est peut-être sous le vêtement, ça diffuse une bonne odeur. D'accord? Comme ça pourrait être. Donc c'est un vêtement, c'est pour le bien-être. Tandis que Rabbi Meir, lui, il considère qu'il voit en cela un interdit khatat. D'accord? Bartonoï, il dit presque rien. Il dit, pour Rabim, ils nous disent, tarchitin ninhu, c'est des tarchitim, c'est un tarchit, c'est quelque chose qui est calmé pour être plus belle, plus valorisée. Donc c'est un bijou. Malgré tout, il faut savoir qu'il y aura un interdit, mais Rabbanan de le porter de peur qu'elle va le retirer. Et voilà pour Rachami maintenant. Pour Rabbi Meir, c'est pas tellement précisé pourquoi on a interdit un chiouf khatat. Il y a qui j'ai vu qui a précisé, c'était je sais plus qui disait, oui c'est ça, c'était dans le Menachat Shomosh, je crois, qui en parlait un petit peu, qu'en fait, la raison pour Rachamim, c'est parce que ça rejoint la même idée qui avait été écrite dans le Kouliar. Que si c'est pas quelque chose que le commun des femmes mettent, eh bien, si pour certaines femmes c'est quelque chose qui est un bijou, pour d'autres femmes, ça n'a aucune valeur, et bien dans ce cas-là, on transgresse un interdit. Comme ça, c'était précisé, je ne sais plus où, il y avait comme ça, je pense dans le Melchat Shomo, ou peu importe. C'est-à-dire, pour comprendre Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, en fait, pourquoi on transgresse, il y a un interdit minatora, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un bijou qui est commun à tous. Comme ça, apparemment, c'est précisé, et comme ça, c'est explicite dans le Kouliar. Dans le Kouliar, le fameux anneau qu'elle met sous la tête. Il y a une grande question qui se pose sur ça, c'est de la Mishnah précédente. On avait vu que pour les hommes, mettre un caméa, mettre une amulette, eh bien, même si finalement c'est que les gens malades qui ont besoin de cette amulette pour se protéger, puisque pour quelqu'un de malade, c'est un vêtement, eh bien, il a le droit de le mettre pendant Shabbat, même si moi qui ne suis pas malade, j'ai pas besoin de mettre ça, ce caméa. Et donc dans ce cas-là, c'est la question du rachash qui... du rachash, ouais. Le rachash, il pose cette question, il dit, mais je comprends pas. Il reste en tsari chiyun, il reste qu'il faut éclaircir la raison pourquoi. Vous comprenez le problème? Quelque chose que, pour le commun des hommes, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun intérêt à cela. Pour certaines personnes, un peu rétro, ou un peu originaux, c'est, ou bien un peu malade, ou bien un peu, qui diffuse une odeur désagréable, alors c'est important de mettre pour soi un parfum. D'accord? Alors, je voulais te préciser, pour le parfum, hein, on ne mettait pas du parfum, pas tout le monde mettait ces parfums-là, c'était plus les femmes qui avaient une tendance à avoir une mauvaise odeur. Elles mettaient ces parfums-là, donc c'est pas commun à toutes les femmes. Mais la question elle est que, ben c'est, ok d'accord, mais pour elles, c'est quand même, c'est un tarchit. Pourquoi pour l'amulette, le caméa, tu me permets de le mettre, et tu permets au malade de le porter, et pour cette femme ici qui dit plus une mauvaise odeur, tu ne le permets pas de le porter, tu considères que c'est plus un tarchit. C'est-à-dire, le rachash soulève la question sans vraiment répondre. Il nous dit, selon ce que j'expliquerai plus loin dans la Gemara, on pourra plus comprendre. Voilà quoi, c'est resté un peu en suspens la question. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.